Petite 911, GTS Carrera 4, que voici, qui est entré dans nos ateliers. On va lui faire un total wrap, un truc un peu propre, tu vois. Parce que là, en fait, elle est un petit peu trop normale. Donc, on va lui mettre une petite touche satin. Et il y en a une autre qui va arriver, exactement la même config. On va changer aussi de couleur. Vous allez voir à quoi ça va ressembler. Celle-ci est un petit peu particulière parce qu'il y a pas mal de choses à refaire, tu vois, notamment les jantes. Elles sont rayées, oui, on sait le refaire. Il y a des petites choses en mécanique à faire aussi. Celle-là, elle a été épargnée. Regarde l'écrou central, comment il est beau. Et donc, du coup, voilà quoi. Ce serait bien à refaire pour l'été. Qui a volé, a volé. T'es heureux? Oui. Premier niveau. Porsche GTS aujourd'hui, donc la même configuration, celle-ci a exactement la même configuration que celle-là qui est en train de se terminer, donc ce sera deux couleurs différentes mais quasiment exactement la même voiture, donc une cabriolet en 991 phase 2 GTS et celle-ci c'est la même, donc celle-ci elle est noir satin, franchement la couleur noir satin, je pense que ça va à toutes les voitures. Donc tu vois, on a fait en full noir satin. Des petits éléments qu'on va laisser en gloss parce que c'est beaucoup plus joli. Voilà. Et l'autre, ce sera une autre couleur. Ça sera le violet qui est là. Aubergine, on va dire plutôt. Tu vois. Donc voilà comment ça se présente sur un Spider cabriolet. T'as le pare-choc qui est là. T'es obligé de l'enlever parce que il y a plein de choses à faire dessus. Comme ce qui était le cas pour celui-là. Et là, tu vois le fameux écrou à 600 Nm de couple de serrage et de desserrage. Donc, ça, c'est un bordel. Si t'as pas cette fameuse clé qui est là, tu vois. Observe la clé, comment elle est longue. Et comment tu vois, mais je vous montrerai ça tout à l'heure comment on fait. Vous allez voir à quoi ça va ressembler. Ce sera beau. On attaque donc la deuxième. Celle-ci est quasiment terminée, il y a des finitions à faire, il y a des jantes à refaire, voilà. Il y a des petites choses à faire, mais sinon, elle va être terminée. Et on attaque donc la 2, c'est la 2 roues motrices, celle-ci, et celle-là, en fait, c'était la 4, tu vois. On a commencé à la nettoyer, on va la dépouiller comme l'autre, et c'est parti. Vous allez voir, la couleur va être un petit peu plus joviale, on va dire ça comme ça. Aussi à préciser que l'intérieur, en fait, elle a les surpiqûres rouges, celle-ci. Plutôt sympa. Avec les ceintures rouges, tu vois. Des belles ceintures rouges. Le GTS en rouge. Encore les ceintures rouges à l'arrière. Et le fond de compteur, tu vois. Hop là, fond de compteur rouge. Mais elle est belle. En fait, quand il y a trop de lumière, bah, je tourne le stop. Tac. Tac. Là, j'enlève l'exemple. Comme ça, moi, c'est plus clair. Donc là, on est en présence d'un port. D'un port violet, aubergine. En fait, comme j'expliquais, il y en avait deux du même acabit. Il y a un intrus qui est en. Il y a donc le fil qui est là, il pose comme jamais. Ouais.
Quand il n'y a pas de lumière, je tourne du film. Voilà. Donc, c'est en train de prendre forme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les deux véhicules l'un à côté de l'autre. Et vous allez nous dire dans les commentaires celle qui vous plaît le plus, qui vous ressemble le plus. Celle-là. Mais t'as vu, là, on enlève tout parce qu'on va faire les intérieurs de Puerta. En plus, c'est vénère comme ça, sans quoi. On dirait. Tu mets un petit filet, c'est réglé. Mais attends, viens, je vais mettre un truc. Donc voilà, ceci est une navette. C'est rouge quand même. Le fameux panier à salade qu'on va refaire aussi. Donc soit tu peux rouler comme ça. Soit tu vois, tu fais ça. Bah voilà. Bah voilà. Eh, pour fouler, faut avoir des bras. Hein. Faut des bras pour fouler. Qui est ce monsieur? Des bras pour fouler, il n'y a pas de direction assistée là-dessus. Voilà. Il n'y a même pas de semi-assisté. Oh merde. Ah ouais. Tenez mon bras. Gardez-le moi. Voilà, c'est comme ça. Du coup, la noire. On a refait les rentés aussi, de l'autre. On a refait les jambes de l'autre. Avec les petits logos en rouge. Voilà. Celle-là. Tu sais comment ça fonctionne le système des éco-centraux? Oui. C'est bien de la merde. Déjà, la clé elle est énorme. Donc ça, ça te permet de dévisser, c'est ton écran, tu vois, ce qui est marqué, tu vas pas mettre le pétard. Si tu mets pétard, nous pas content. Donc tu vois, il faut se réformer au livre où il y a marqué I. En fait, le système, c'est un système d'écrou central. Rapproche-toi, chien. Pardon, mais j'arrive. Tu vois, en fait, là, tu peux pas ni ouvrir ni fermer. Tu vois, il est bloqué. Parce que quand tu le mets, écoute bien. Tu vois, là, il n'est pas mis. Écoute. Tu vois, là, il est bloqué et là, tu peux tourner. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est le centre. Tu vois, ce centre-là qui appuie sur l'axe qui est là. Quand tu appuies, regarde, j'appuie et là, je peux tourner. Tu vois, c'est un système de sécurité. C'est pour la compétition. Et là, tu as un turbo. Au calme. UJ. Le U est quelque part. Donc voilà comment ça fonctionne. Allez. Et la Cléo. Et la Cléo. Et là. Qui nous a été prêtée par Dan. Voilà. Il se la raconte avec sa clé à 1200 euros. Là. On a terminé les deux Porsche. Je vous laisse voir laquelle vous préférez. Moi j'aime bien les deux pour deux. Vas-y, mais va plus loin, frérot, encore, non? Plus loin. Salut et merci. Eh oui, c'est pas mal, comme ça. Donc du coup, moi j'aime bien les deux pour deux choses différentes. Déjà la première, ça c'est frérot quand tu pars en soirée, t'as vu? Quand tu pars en soirée, que t'habilles en botte, c'est pour high, tu vois. Rai, j'espère qu'il entend bien Rai. Comme ça, il est en mode, tu vois, il est sur Canette, la croûte d'Azurette et tout là. Hello. Bonjour. Oui, mais c'est le Bluetooth, monsieur. Tu l'entends ou pas? On le filme pas, mais on le voit. C'est Rai, c'est vert torsi, vous allez voir. Et donc, du coup, on a choisi une couleur typée prune aubergine. Ça lui rend justice. C'est beau, quoi, ça lui rend juste. Et donc du coup on a fait une belle couleur prune, j'aime beaucoup, avec l'intérieur rouge.
Ça jure ou ça jure pas? Ça jure. Ça jure. On a fait les coques, on a fait l'aile, on a fait la, le capote. Ah, le capote. On a fait le pare-chou. Le pare-chou. Non, elle est très belle. J'aime beaucoup la configuration. Mmh. Elle est. Ça change du noir. En fait, elle est élégante en fait. Mais attends, viens, on va parler d'elle. Ah pardon. Non voilà, c'est. Elle a vraiment une. Elle a une preston. C'est beau. C'est beau. Moi je trouve qu'elle est belle. Et il y a un jeune acheteur de véhicule. Ça va Flo? Bien. Non, elle est bien. Maintenant on passe à la noire, frérot. Ça c'est quand t'es d'une humeur maussade. Regarde, elle est quand même belle. Allez. Je suis désolé les amis, on n'a pas eu le temps parce qu'on a un client casse-tête qui nous a pas laissé le temps de bien nettoyer le véhicule. Donc du coup on est dans un délire plus énervé, tu vois. Celle-là, c'est plus quand tu sors et t'es en mode vas-y je vais tout niquer, tu vois. On n'a pas encore mis ça mais ça va venir. Je n'ai pas le temps. Voilà. On est pressé par le temps. Tout le monde veut tout tout de suite là. Non, celle-là aussi elle est belle. J'aime bien. Ouais. J'aime bien les deux en fait. Voilà. Ça c'est la voiture de nos amis Fini Drive. Que l'Instagram s'affiche là-haut. Et ça, c'est une collaboration avec le roi du Vietnam. Le prince du. Bon bref, j'aime beaucoup les deux et voilà quoi. Du coup, celle que je vais prendre, c'est celle-ci. Le kangourou, frérot. Il y a plus de plats. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram qui s'affiche là. Celui de Fonatex qui s'affiche là. Celui-là aussi il est pas mal. Et un autre là. Prochaine vidéo, c'est quoi? On tape quoi? Ah oui, c'est la BM. Ah oui. La série 8. 8. 8, voilà. 8. Prochaine série 8. Semaine prochaine. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.